Bonjour et bienvenue dans mes unboxings pour vertema.fr. Donc je pense que vous avez remarqué une petite nouveauté, c'est que je vais maintenant mieux présenter mes unboxings, ou voir mes autres vidéos, et grâce à la collaboration avec SVM56, que je mettrai en lien évidemment. Donc cette fois je vais mieux présenter donc mes futures vidéos grâce à lui. Donc pour commémorer cette collaboration, je vais présenter The Order 1886. Un jeu très attendu sur PS4 et je peux obtenir l'édition Blackwater. Donc, faut savoir que j'ai pu voir le monsieur Rurasuraya. Donc, je rappelle qu'il a fait deux jeux sur PSP et Daxter. Donc, il a fait God of War Chain of Olympus et God of Sparta. Donc, petite présentation rapide de ce qu'il a fait. Donc, je vais passer au mode unboxing. Mon unboxing. Ah oui, je vais tricher un peu parce qu'en fait je l'avais déjà ouvert. Donc vous allez savoir pourquoi. Hop, voilà, voilà, je vais te mettre pour hein. Alors pourquoi, qu'est-ce qu'il a de spécial après tout? C'est. Attends, je vais faire un petit zoom si je peux. Ou sinon je peux faire. Je pense que je peux faire comme ça. Oui, en fait, si vous voyez bien. Il y a la signature du créateur du jeu. Donc oui, c'est un grand honneur d'avoir pu ramener ce collector devant lui. Je vais dézoomer. Je vais faire comme ça, ouais. Ah donc du coup qu'est-ce qu'il contient? Bon déjà c'est la boîte, elle est super, moi j'aime bien. Même design. Alors, bon, je vais commencer par le plus bidon, le jeu. Le jeu que j'ai fini, il n'y a pas. Avant de faire l'unboxing d'ailleurs. Voilà. Par contre, c'est une édition spéciale, donc il n'y aura pas cette présentation. Il n'y aura pas cette présentation au commerce. Donc il faut obligé d'avoir le collector. Voilà. Alors, il y a quoi maintenant? C'est ça, c'est une enveloppe. Je vais enlever. Qu'est-ce que c'est? Il faut pas que ça soit chiant à enlever. Alors, qu'est-ce que c'est? Sans que. De toute façon. Ah là là! Je me suis énervé. Je vais voir qu'on est comme ça à l'arrache. En plus d'ouvrir à l'arrache surtout. Allez! C'est un peu barbare ce sujet. Veuillez m'en excuser. Donc, alors, ça va être. Ah! En plus ça colle. Donc, du coup. Alors, je sais pas si je fais un petit zoom, voilà, je ferme ça à cette position, voilà. Donc, je vais garder cette position. Donc, ah oui, il y a les protagonistes du jeu, Galahad, le héros du jeu, Mallory, Lafayette et Isabeau, voilà ça. Et après, il y a, en gros, c'est des petites cartes postales anciennement d'ailleurs, postcards de l'ancienne. Ah, je sais pas si on voit bien en fait, voilà. Et voilà, donc c'est. Ah oui, ça c'est des stickers pour. Ouais, ça c'est des stickers pour la manette. Oh, c'est pas mal, ouais, c'est. Des petits trucs. Donc du coup, suivant. Suivant. Ça c'est. Je sais pas si on voit bien en fait. Ouais, je vais faire là. Donc les cuissons. Les cuissons des chevaliers. Les chevaliers. Oh là. Ça là. Je sais pas si on peut bien voir. Comme ça, voilà, ça c'est pas mal. Et maintenant il y a la pièce maîtresse, c'est cette fiole en fait. Je sais pas si on voit bien en fait, comme ça, voilà, la fiole qui se trouve ici. Ce qui est dans le jeu, c'est ce qui permet au héros, enfin au personnage de l'ordre 1886 de se régénérer, enfin de reprendre de la vie. Alors maintenant, le but du jeu, c'est de sortir ce bidule, ce collier, sans trop de dégâts. Voilà. Je sais pas comment ça se marche. Alors, faut aller et sortir. Ça sent. Bien. Et. Désolé, c'est. Ah, je vais y arriver. Ah. Je vais un peu forcer. Voilà, enfin. Ah, j'ai pas cru, bordel, hein. Bon, du coup, je vais mettre de côté.
Alors, ouais, c'était pas facile à sortir mine de rien. Donc, voilà. Ça c'est la fiole. Hein. La fiole magique hein, qui permet au personnage de héros, le héros Galahad, de se régénérer une seule fois. Donc, je sais pas si on peut voir quelque chose. Voilà. Voilà, c'est pas simple. Donc ça va, bonne facture ça, mais bon. Voilà, donc après. Ah oui, là, parce que là je vais le mettre un peu plus beau déjà. Alors ça, les écussons, le jeu. Que bientôt je vais vous préparer à. Attendez, je vais mettre comme ça, un zoom. Je vais faire un truc global. Voilà, c'est plus net comme ça, je pense. Donc du coup, je mets les enveloppes. Les cartes, et bon, tout ça, la fiole et l'exécution. Voilà, je vais faire un meilleur zoom. Voilà, donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Donc, moi, c'est vrai que j'avais du mal à sortir cette fiole. Que bientôt, vous aurez à faire mon unboxing. Enfin, pardon, mon test, mon game over. Et bientôt, vous allez voir ce que j'en pense du jeu. Premier jeu PS4 que j'attends depuis très longtemps. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup des bons jeux. Donc, voilà, j'espère que ça vous a plu. Voilà, allez, bonne journée, au revoir.